Eh bien aujourd'hui, je vais vous parler de notre nouvelle solution, e-protocol. La mise en place et la gestion des protocoles de sécurité au sein d'une entreprise est une obligation. D'ailleurs, en cas d'accident, l'absence ou la non-transmission du protocole est un délit, puni de sanctions financières, voire pénales. Autant dire qu'il est essentiel pour les entreprises de veiller à la sécurité de leur site logistique. Et il est aussi de leur responsabilité de partager leur protocole de sécurité à l'ensemble des acteurs, mais aussi et surtout, de veiller à leur bonne prise en compte. Les entreprises éditent leurs protocoles et les transmettent par courrier ou mail aux transporteurs. Ce fonctionnement d'apparence simple est en réalité très complexe et rarement efficace. Parce qu'ils ne parviennent pas aux bons conducteurs, parce que les mises à jour ne sont pas toujours transmises, ou tout simplement parce qu'ils ne sont pas lus. Le concept d'e-protocol, c'est de dématérialiser ce processus. Les entreprises peuvent facilement mettre en ligne les protocoles sur la plateforme et les partager avec les partenaires qui peuvent ensuite en prendre connaissance et les accepter. Le conducteur, ensuite détecté par geofencing, est alerté automatiquement des consignes de sécurité à respecter. La solution e-protocol apporte de nombreux bénéfices, de par sa simplicité d'une part, en termes de gain de temps pour les équipes, et puis c'est plus écologique, c'est surtout plus efficace grâce au suivi automatisé des diffusions et des mises à jour. Notre promesse ? Le bon protocole, au bon destinataire, au bon endroit et au bon moment. E-protocol a déjà été primé par le club d'émetteurs. Et depuis son lancement en mai 2020, la solution a déjà conquis près de 1000 entreprises, comme Ferrero, Jacques Perrenot. Nous poursuivons actuellement le déploiement auprès de notre réseau de 20 000 acteurs. Et grâce à la mutualisation, la solution va devenir la solution de référence. Vous aussi, vous pensez que la sécurité est un enjeu important dans la supply chain ? Vous souhaitez faire un geste pour l'écologie ? En finir avec les documents papier ? D'autant plus dans ce contexte de crise sanitaire, e-protocol apparaît comme une solution évidente. Alors rendez-vous à Paris pour découvrir la solution ?